la variette, on consomme pas du tout. Nique les bijoux, on porte le rap vrai autour du cou. Les meilleurs sons, les meilleurs textes, c'est ça qu'on cherche nous. On sent pas les couilles de tes goûts, ça changera rien du tout. Le rap coupé à la variette, on consomme pas du tout. Nique les bijoux, on porte le rap vrai autour du cou. Les meilleurs sons, les meilleurs textes, c'est ça qu'on cherche nous. On sent pas les couilles de tes goûts, on changera rien du tout. Avant même de faire du rap, enfin on faisait peut-être du rap chacun de notre côté, mais on ne savait pas forcément. D'accord. Et puis on a fait un morceau ensemble pour la compil de Blaise, rappelle-moi aussi. Et puis on a bien aimé le morceau, on se connaissait déjà. Moi, genre, j'avais une scène à faire, donc je leur ai proposé comment on se voyait un peu plus souvent parce qu'il y avait ce morceau. Je leur ai dit, bah venez, il y a une scène à faire. Mm-hmm. Ils sont venus, c'était une petite scène de 15-20 minutes. Ça s'est bien passé, la scène que j'ai eue après, je leur ai dit bah venez, on l'a fait ensemble. Et puis bon, j'ai eu mon album qui est sorti à peu près un an après. Et en fait, c'est parti comme ça. Et depuis, je sais pas, on a fait peut-être une quarantaine de dates, peut-être un peu plus, depuis qu'on a commencé ensemble. Quoi. Et c'est vrai qu'on est. Ce qui est bien, c'est vrai qu'on se complète, on est assez différents dans la vie en fait. On n'est pas la même vie. C'est pour ça qu'on se complète sur ça, je pense. On n'a pas les mêmes, on travaille pas de la même façon, on est assez différents. Mais. Quand on dit les. Bah, des fois les opposés se complètent, ouais, on s'attire en amour, on se complète en travail, t'as vu, bah, c'est ça en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que sur scène, je pense que j'avais besoin de son côté carré comme il avait peut-être besoin de mon côté freestyle. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça nous apporte chacun un truc, moi ça m'a apporté un plus. Et puis je pense que ouais, aussi, moi aussi, carrément. Donc ça se passe bien, voilà, c'était notre 31e date de la tournée officielle, on va dire. Et je te dis, en plus, ça fait à peu près, je sais pas, 40-45 dates ensemble, donc c'est sur peut-être 3 ans, je sais pas, 3 ans. Ouais, sur les 3 dernières années, c'est sûr qu'il y a 12 ans dans l'année, 40 dates, ça fait beaucoup 3 ans. C'est clair. Moi, c'est le quartier où j'ai grandi. D'accord. Depuis que j'ai... J'ai un an, j'habite dans le 18e, là j'habite plus depuis quelques années, donc bah, c'est toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Non, jeunesse, adolescence, c'est un niveau personnel. Voilà, surtout ça. Tu cherches l'authenticité, nous 18 tu peux te citer. On passe la haine à l'émotion. Tu vas allumer ton briquet, rien ne sert de critiquer. Une quantité de qualité, on monte sur scène. Sachez nos sons marqués par faire égalité. Nous rappelons la variété, on consomme pas du tout. Bien sûr. Beaucoup de gens pensent, donc après, on le constate, on peut pas dire non. Après, c'est vrai que c'est pas dans le 18e, c'est pas spécialement des cités, des commandements, etc. C'est des quartiers. Et puis, on va dire que dans les quartiers du 18e, il y a vraiment beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs. Donc, ça a fait quand même une petite compétition entre nous. Et comme la compétition elle a été saine, ça a poussé plusieurs artistes plutôt de l'avant plutôt que de les enfoncer. Quoi. C'était surtout ça. D'accord. Le 18e, effectivement, c'est un arrondissement qui est ouvert sur la culture. Il y a beaucoup de salles de cinéma, de salles de concert, de salles de théâtre. Il y a un brassage de population, il y a des cabarets, il y a des boîtes de nuit, il y a une vie nocturne. C'est un mélange entre quartier bourgeois et quartier populaire, voire très populaire. Donc c'est vraiment un arrondissement qui est ouvert, c'est comme ça que je le ressens. Donc forcément, ça, quand tu baignes là-dedans, ça t'inspire. Au niveau de tout en fait. Après ça a été un peu différent parce que le premier c'était une coproduction et le deuxième j'ai produit tout seul. Et pourquoi autant de temps? Bah parce que après le premier j'ai eu besoin de souffler un petit peu, j'ai dit beaucoup de choses dans mon premier album, ça a été beaucoup de travail, il y a eu une tournée derrière, donc j'ai eu besoin de lever le pied quoi, enfin je sais pas, j'avais besoin de me ressourcer, de vivre ma vie pour pouvoir refaire des morceaux derrière. Et puis le fait d'être en indé, c'est-à-dire de produire mon disque moi-même, bah forcément ça prend plus de temps parce que tu as plus de travail, plus de choses à faire. Et financièrement aussi, je suis parti de zéro, donc il a fallu constituer une équipe, constituer un capital pour pouvoir faire ce disque.
Et puis voilà, juste après le premier album, j'avais pas forcément envie d'écrire. Donc j'ai pris mon temps pour. Et puis j'écris pas vite aussi, comme je dis dans l'album, je suis un des moins productifs, sinon le moins productif de France, malheureusement pour moi. Donc voilà, tout ça, toutes ces raisons, ça prend du temps. Soulchild Run, je les avais rencontrés à l'époque où j'avais produit Explicit 18, donc à la fin des années 90. Et ils sont super doués, super forts, on s'entend bien. Et quand j'ai commencé mon deuxième album, je me suis naturellement tourné vers eux. Enfin, on était toujours en contact de toute façon. Je pense qu'ils comptent parmi les meilleurs beatmakers que je connais, et peut-être même plus. Donc ils ont produit la moitié de l'album. J'ai enregistré chez eux aussi. Après, comment je choisis les beatmakers, c'est déjà en fonction de ceux que je connais. Après, il y en a certains qui sont sur l'album qui m'ont contacté. Et puis, il y a un instru qui a fait l'affaire. Quoi. Donc, voilà. Mais je ne demande pas aux beatmakers de me donner. Je leur donne jamais une direction, en fait. D'accord. Moi, je veux qu'ils fassent ce qu'ils savent faire. Et après, j'aime ou j'aime pas. Le travail de sélection des instrus, c'est un travail très important. Les instrus, ça fait énormément. C'est super important, donc il faut pas se tromper. Et moi j'ai mis 3 ans et demi pour trouver 13 instrus pour mon album, donc ça prend du temps. Et je suis très satisfait du résultat, très satisfait des instrus que j'ai. Et, voilà, moi j'affectionne la collaboration avec les beatmakers. Quoi. C'est mon morceau, c'est leur morceau aussi. C'est vraiment quelque chose de collaboratif. Je ne prends pas l'instru d'un mec en disant ok, je te donnerai un CD quand ça sortira. C'est vraiment, on travaille le morceau ensemble. Et, il valide toutes les étapes du morceau. Je parle pas du texte, mais je parle de la réalisation, le mix, le mastering, etc., etc. Je les tiens au courant au fur et à mesure. C'est très important. S'il n'y avait pas de beatmaker, je ne sais pas comment je pourrais faire des albums. C'est essentiellement par affinité. La collaboration avec Orelsan, on s'est rencontrés par hasard, on s'est bien entendu, on a gardé le contact et puis j'avais envie de faire un morceau un peu plus léger, un peu plus drôle entre guillemets, même s'il n'est pas forcément drôle au final, mon pote, mais c'était la personne que je voyais pour faire ce morceau en fait. Et donc ça s'est fait simplement parce qu'on s'entendait bien, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son rap. Effectivement, ça a surpris des gens, mais tant mieux. Ouais. Tant mieux. Mais c'est quelqu'un de. Voilà, que moi je trouve qu'il écrit très bien, il rappe très bien, il est très professionnel, il est très cool. C'était vraiment une bonne collaboration pour un bon titre au final. J'ai passé les mots sans rossien, pour moi les choses sont claires. Mon pote c'est mon vieux mais c'est pas mon père. J'aimerais qu'il le reste longtemps alors j'évite d'immiscer. Entre lui et moi l'argent, les femmes et tout ce qui pourrait nous diviser. Yeah, mon pote a pas toujours été là. Trop longtemps mon meilleur pote c'était moi. Après, sur l'album il y a aussi Tiwoni. Bon Tiwoni je le connaissais pas. Nasu il le connaît, on connaît des gens en commun mais on s'est déjà rencontrés, on se connaissait pas. C'est une des rares personnes avec qui j'ai collaboré que je connaissais pas du tout mais j'avais envie de son grain de voix en fait sur le morceau. J'aime bien son style, j'aime bien son grain de voix, donc j'ai fait appel à lui pour ça. Après, il y a Jeanne qui est sur un morceau et j'avais envie de sa voix aussi, j'avais envie d'avoir sa voix. Il y a Tyro aussi qui est venu m'épauler sur un morceau, Tyro que je connais depuis une quinzaine d'années maintenant, peut-être même plus. Mais c'est avant tout par affinité, je fais rarement appel à des gens que je ne connais pas du tout. J'ai besoin de m'entendre avec la personne. Tu sais, les featuring, c'est souvent pour pouvoir toucher le public de la personne. Alors encore une fois, j'ai pas de hier. Quand j'invite Orelsan, je sais qu'il a un énorme public, etc. C'est sûr. Et tant mieux, mais c'est pas ça qui a déclenché le fait que je lui ai proposé le morceau en fait. Normalement, je connais un peu Barcelone, j'y suis allé plusieurs fois, c'est une ville que j'apprécie. J'aime bien, on se sent bien là-bas, je crois. Et après, je connais pas du tout le rap espagnol. Mais j'aimerais bien venir faire un concert en Espagne, carrément, à Barcelone notamment, vous voyez. Mais la scène hip-hop espagnole,
Moi, personnellement, je ne la connais pas du tout. Moi, je connais un seul rappeur, enfin quelques-uns que j'ai pu regarder sur internet grâce à lui, mais lui, c'est le seul que j'ai connu personnellement, c'est Rap Suskiri. On s'est rencontrés au Sénégal pour un festival où lui représentait l'Espagne et puis moi la France. Donc j'ai rencontré là-bas et puis on était dans la même villa, donc on a pu le temps de discuter ensemble vraiment beaucoup. Et puis on est amis sur Facebook, des fois ça arrive, on s'envoie quelques messages, etc. À part ça, non, je connais pas. Je me retrouve dans ma musique, c'est tout ce que j'aime. Concrètement, dans ce que j'ai déjà fait, j'ai jamais fait d'album. J'ai fait un maxi, donc à l'époque avec 40 scientifiques, et puis derrière ça, j'ai eu beaucoup d'apparitions, beaucoup de featuring. En fait, j'ai toujours été entouré par beaucoup d'artistes qui étaient actifs dans le milieu, qui sortaient des albums, etc. Donc voilà, puisque j'étais avec eux souvent, ils m'invitent en featuring, comme Flint, les affinités, tu vois. Et d'ici là, ben non, j'ai rien fait spécialement, là je suis sur le premier album. Je travaille, comme je suis indépendant, ben, on n'a pas de date, on n'a rien, on ne sait pas encore quand, mais ça va certainement arriver. Et comme en attendant, ben, je suis toujours actif dans le rap et j'aime pas trop m'endormir. À côté de ça, j'ai monté une maison d'édition, j'ai monté une marque de vêtements qui maintenant m'a amené à avoir une boutique dans Paris, un studio d'enregistrement. Dans la boutique, on vend tous les disques du rap indé puisque je suis indé et mon truc, c'est de mettre tous les indés en avant. Et c'est un petit peu compliqué, mais on essaie de faire avancer le milieu. Mais à la base, de base, tout ça, c'est uniquement pour sortir un disque. Mais bon, ben, comme c'est long et compliqué, le rap, ce n'est pas que écrire des textes, ce n'est pas que sortir des disques, c'est aussi un autre travail. Et puis, bon, ben, y a plein d'à côté. Comme devenir son producteur, on le voit. Et puis, il n'y a pas que produire, puisqu'on fait aussi des vêtements, on les vend en concert. Et Beefmaker, le concept, c'est celui qui construit son propre argent. Voilà, c'est la personne qui travaille pour faire ses propres sous, celui qui ne mendie pas, celui qui se bat pour ses sous. Voilà. C'est un Beefmaker, c'est pas celui qui, forcément, qui dit ou qui. Non, c'est celui qui travaille, qui lutte pour faire vivre sa famille, c'est un Beefmaker. C'est pour ça que j'ai pris ce nom-là, tu vois, en fait, puisque c'était ma vie de tous les jours. Courir après l'argent. Dès le matin que je me réveillais, je pensais à la fin du mois, il fallait payer le loyer. Donc du 1 au 1, on court après l'argent. On est des Beefmakers. J'ai tout perdu dans ma vie, mais je me retrouve dans ma musique. Je me retrouve dans ma musique. J'ai tout perdu dans ma vie, mais je me retrouve dans ma musique. Je me retrouve dans ma musique. Et pour cette boule, j'ai déjà perdu la poule. Tout seul. Devant les skins, moi j'ai pas perdu mes couilles. Et pareil que la boutique, un petit peu. La boutique, c'est pour vendre des disques indés, mais en cas de concert, c'est pour mettre les indés aussi en avant sur Paris. Il n'y a pas de concert comme ça en France, mais pourtant, même si on est un gros mini-pop, si on n'avait pas sur Paris en tout cas. Donc j'ai eu la chance de pouvoir prendre ça en main avec mon acolyte Stelio. Et puis ça fait 3 ans que ça dure, on en est à la 45e session. Et ben je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Et voilà, c'est surtout pour ça encore, c'est un truc pour faire avancer le rap indé en France. Ouais, c'est vraiment ça. Yes. Personnellement, déjà pour moi, ça représente réussir à devenir indépendant de la musique, c'est un accomplissement, c'est tout un travail. C'est quelque chose qui est très difficile, qui est presque limite impossible avec tout le système qui est autour. Et quand tu arrives à devenir indépendant, à faire ton disque toi-même, être ton propre producteur, et en plus à mener ta vie à côté, comme Flint travaille, avoir des enfants, etc., c'est que tu as tout réussi pour moi. Tu fais ton art, tu fais ce que t'aimes et en plus tu choisis toi-même ta direction, quoi. Il n'y a personne pour t'orienter, il n'y a personne pour. C'est surtout ça, être indépendant aussi, c'est avoir faire ses propres choix et puis pouvoir décider soi-même de sa sortie, de ses deadlines, de son clip, son image, plein de choses que d'autres artistes ont des fois pas la chance ou ont perdu cette chance-là. En allant dans des grosses structures, de pouvoir choisir leur image, peut-être, tu vois. C'est surtout ça la force de l'indépendance. Ça représente quelque chose pour un certain nombre de personnes, quand même. Donc, Moi, je dirais que depuis le premier projet que j'ai produit, en fait, le premier projet que j'ai fait, c'est moi qui l'ai produit. En fait, on avait envie de faire un disque, on s'était explicite 18 à l'époque. On avait envie de faire un disque, on s'est dit, bon, ben, on le fait. Et on s'est jeté là-dedans, on n'avait aucune connaissance de comment faire un disque ou quoi, mais on avait juste envie de le faire parce qu'on pensait que c'était un bon projet. Donc moi, dès le départ, en fait, j'ai été producteur du premier disque que j'ai sorti. Et puis j'ai pris goût à ça, en fait. Moi, j'aime bien produire mes disques, tout le travail qu'il faut faire pour produire, pour sortir un disque.
Moi, j'adore ça. Donc, je suis capable de le faire, je sais le faire. J'ai déjà démontré. Donc, et puis, je n'avais pas forcément non plus trouvé les personnes avec qui m'associer. J'ai pas du tout la même gamberge que les maisons de disques, les majors, etc. etc. Donc, quand eux, ils pensent blanc, moi, je pense noir. Donc, je préfère faire mon truc moi-même, même si c'est plus long. C'est plus difficile, c'est aussi pour ça que mon album s'appelle Itinéraire Bis. C'est vraiment l'itinéraire, c'est un autre chemin, quoi. Le chemin que tu te fais toi-même en fait. C'est ça la signification de l'album. Et effectivement, c'est une fierté de pouvoir sortir des disques comme ça. Quoi. C'est faut être bien organisé, il faut croire en soi pour aller au bout de ses projets. Donc, pour moi, c'est vraiment une fierté d'avoir sorti. Deux albums, même tout ce que j'ai fait dans la musique, toujours autoproduction, indépendance. Ça me convient bien, même moi-même en tant que personne, je suis très indépendant. J'aime bien être entouré aussi, mais moi, je suis fils unique, donc j'ai toujours eu, ça a été toujours une nécessité pour moi de me créer mon monde à moi, de m'occuper un peu par moi-même et tout ça, donc j'ai toujours été indépendant en tant que personne. Donc, ça se ressent dans ce que je fais, dans ma musique à ce moment-là. Et il en faut, parce qu'après, vraiment, ça y en a de moins en moins. Donc s'il n'y a pas des gens comme Fit, qui vont pas de peau, ou comme moi à côté, je fais d'autres choses, j'organise des concerts, on va pas s'en sortir, tu vois. Parce que c'est un peu l'image avec laquelle on est arrivé dans le rap, c'est celle qu'on représente. Donc c'est ça aussi qu'on se doit de mettre en avant, c'est le rap indépendant, c'est ce qu'on fait, on est indépendant, on peut pas dire autre chose non plus, puisque c'est ce qu'on est. Et c'est ce qu'on doit mettre en avant, tu vois. Et donc on en parle dans le morceau, puisque c'est l'envie aussi, quoi. Mmh. Le morceau La Balade des Indépendants, c'est vraiment... moi, c'est ce que j'ai vécu pendant les quelques mois où la sortie de l'album. Je raconte un peu où j'en suis, et puis après, ce qui est bien, c'est que l'aspect est complète avec un autre point de vue, dis-moi encore avec un autre point de vue. Et si je leur ai demandé de venir sur le morceau, c'est parce que, comme on dit dans le morceau, lui il organise ses disques lui-même, il organise aussi des concerts. Dino, il vend ses disques carrément lui-même, c'est sa propre distrib. Lui, il vit le rap à 200%. Enfin, tu vois, on est tous complètement. C'est un vrai morceau d'indépendant. Ouais. C'était pour expliquer au public, même si beaucoup de gens le savait déjà un petit peu, c'est que c'était ça d'être indépendant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont aussi une image du rap ou qui pensent que c'est forcément facile, ou peut-être qu'on claque des doigts, on sort un morceau, on sort un disque, on passe en radio, et que si on passe pas, c'est peut-être qu'on marche pas, ou peut-être qu'on vend pas, alors que c'est pas du tout ça. Bah, il fallait un petit peu expliquer aussi que l'indépendant, c'est aussi son producteur, et donc il a beaucoup plus de galères qu'un producteur même d'une grosse maison de disques, puisque lui c'est tout seul, quoi. Donc la radio, tout le monde. Nous on a la chance de faire une putain de tournée. Faire des indépendants, et on a une putain de chance, peu d'indépendants ont eu cette chance là, quoi. Voilà. Avant, quand j'étais dans une petite structure, 45 scientifiques, qui était entre guillemets indépendante aussi, mais une maison de disques indépendante, les tournées c'était 8 concerts, et c'était des grosses tournées à l'époque. Aujourd'hui, regarde, on va dire on en a la 40e. Ouais. C'est vraiment un truc de fou, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil, c'est indépendant, il n'y a pas de méthode derrière qui nous pousse. Ce qui nous pousse, c'est le public en fait. La chance qu'on a, c'est d'avoir un public qui vient au concert, qui achète les disques, qui aime bien ce qu'on fait et qui se sent représenté par ce qu'on raconte. Et donc, quand tu as trouvé ton public, tu as gagné. Peu importe que tu remplisses une salle de 300 ou 3000 personnes. Nous, on remplit des salles de 200, 300, 400, on prend un peu plus. Mais ça retombe bien, partout. Partout. Et ça nous convient, tu vois. C'est bien, c'est mortel. Là où on en est aujourd'hui, en ce qui me concerne, en tout cas. Je profite vraiment de ce que la musique a de mieux à apporter, quoi. Pouvoir faire des tournées, avoir un petit bande de potes, tu vois, un peu partout dans toute la France, voire en Suisse, en Belgique, peut-être en Espagne, un de ces jours. Et les gens sont là, quoi. Donc ça, c'est la plus belle récompense et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à vivre. Keep check, ma position fasse touche au business.